tourne un truc comme ça. Directement, on n'a pas le temps. Je viens de finir le bac. Donc là, c'est fini. Le bac, c'est fini. Donc, j'ai dit au revoir au lycée dans 2 mois. Et donc là, du coup, ce qui arrive maintenant, c'est les summer vlogs. C'est toutes les semaines. On va vlogger ça à fond. Puis voilà. Puis voilà, on se retrouve directement là. On va commencer la semaine avec quoi? On va commencer avec Elliot qui va venir. On va faire du kayak, du session. On verra bien. Puis voilà, on se retrouve directement quand Elliot arrive. On est parti de la maison. On rejoint Elliot parce que ce gros fils et Marie vont pas venir. On va voir ce qu'on fait. Pour arriver là-bas, une fois 40 minutes de route. POV, on attend Elliot. Après avoir fait 40 minutes de bus pour le rejoindre à Toulon, pour que le vent se lève, on peut le voir ici. C'est pas grave, après on ira directement Kaité. C'est la Biarritz. C'est pas une la Biarritz. Mec, tu m'as manqué. Débrief du bac. Première partie, non. Deuxième partie, aise. C'est-à-dire que j'ai au moins 8 sur 20. Donc techniquement, c'est une bonne note. C'est pas mal du tout. On va faire du cake. Allez, c'est parti. Écoute-moi, Elliot, je te propose directement. Déjà, tu me donnes pas des ordres, c'est moi qui décide. Je suis désolé. Je te propose directement de retrouver le camion, un panier. Ensuite, de prendre le volet de scooter. Hop. Dans le camion. L'homme, tu me donnes quoi? Ah ouais. Est-ce qu'on se retrouverait pas directement sur le spot, Elliot? C'est qui a repris les blagues? C'est Tawen Ride. Parler dans les yeux. Tu m'as dit que tu étais motivé cette année pour Kaité. Oui, mais c'est juste voilà. Je crois qu'on a 2 minutes à perdre pour aller manger. J'ai faim. Madame, monsieur. POV, faire 40 minutes de bus pour pas qu'il te ramène juste manger pour pouvoir faire du kite. Je suis plus son pote à partir d'aujourd'hui. Là, comme j'ai faim, du coup, comme dit auparavant, ça y est, je suis gris parce que j'ai faim, qu'il n'y a pas de vent et que j'ai passé le bac ce matin. Et qu'il y a Fabio qui me lâche pour une meuf. Et puis je pense qu'on va se retrouver quand je veux faire du kitesurf. Bisous mes fans. Je sais pas.
Non, c'est pas ce qu'on va faire, on va se prendre un cadavre pour le vlog. Allez, chose. Bam, directement, troisième jour, on n'a pas le temps. Mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va manger, premièrement. Ensuite, après, du coup, on va aller à la plage. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas assez de vent. On peut le voir. Il n'y a pas de vent, donc on ira à la plage. Après, je ferai une heure de conduite. Sinon, ce soir, on part à Cannes. Ce soir, à Cannes, on a pas mal de trucs à faire. On verra. Je pense que je vais monter des trucs. Je vais me balader à Cannes, je vais vlogger tout ça. C'est tout pour moi. La SNCF, toujours une heure de retard, hein, ça fait plaisir. Pareil, hop, on a le petit IGM qui est juste ici, qui est venu à Cannes. Comment il va? Wow. On va faire plein de trucs. On va être obligé d'aller à Monaco demain. Ok, mais il appelle son technicien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On est sur la croisette. On va rentrer prendre une petite douche. On va manger avec la famille. On va surtout regarder les belles voitures qui vont passer. Objectif de Lamborghini. Une classe S-Maybach. Il y en a une derrière. C'est important. Ok, on se retrouve directement avec les vraies voitures. Ok, Urus. Bon bah déjà on a une Lamborghini. Une Urus. Ah il a un belle Figaro Bec. RSQ8 tout simplement. Ah RSQ8. Avec la G Lamborghini. On a le quota des Lambo. RSQ8 c'est le deuxième RSQ8 que on voit directement. Le quota des RSQ8 on peut le dire est respecté aujourd'hui. Oh oui effectivement. Il est à 900 Carrera, deuxième quota. Oh, une belle directement. On se rejoint demain directement sur la route de Monaco. Ah, du coup on va à Monaco. T'as 10 doigts d'aller chez le coiffeur à GMK. Si vous connaissez GMK, je pense que vous connaissez très bien sa coupe. En mode chauve. Regardez-moi ce virus derrière, aberrant. Qui fait 2 km² d'ailleurs. Voilà, c'est le petit moment culture de la vie. Ah oui, d'accord. Donc, on arrive à Monaco, ça me régale. Hein. Là, y a un lycée. Même si j'ai eu le bac, je serais été dans ce lycée, je pense que je serais devenu avocat. Déjà, on va aller au McDo, parce que là, c'est la fin qui nous appelle. Là, et pas la fin des temps, c'est la fin. Moi, on a mangé à Pagnon. À faire des tours en GXXR1000. Rouge. Wow. Je pense qu'on se retrouvera sur le menu. Comme un casino, il y a un ascenseur. Ah, le HM il s'est régalé, hein. Le HM il s'est régalé au McDo, hein. Demain, je l'ai pas encore dit, pour le vlog on va récupérer une dinguerie. On leur enlève. Le doute. Mais demain. Je vais revenir sur le menu. Voilà comment ça s'est fini. Ça s'est fini en queue. Ça se démonte le ventre. Donc là ici on peut le voir la ligne de départ, hein. Et moi je vais se mettre comme ça, ils attendent. Ouh. Oh là là, quelle belle ville. Oh mec. Viens on plonge. On est dans un endroit magnifique. Pourquoi magnifique? Ça se voit, les escaliers sont chers. Il y a des F1 sur les murs. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? J'allais faire ce qu'il ne fallait pas faire. On peut voir refroidissement à radiateur, monsieur. Déjà, à cette époque-là? À cette époque, radiateur. Ils arrivaient quand même à mettre 6 cylindres et vous sortir 85 chevaux. Ça, je comprends pas. Aujourd'hui, on arrive à avoir des 4 cylindres à 435 chevaux. Ouais. Je te dis, c'est laquelle? C'est la 45 AMG. Tu lui fais un stage 84, je pense que t'as vraiment 435 chevaux. Fantôme coupé. En propulsion. Avec ça, tu drifts comme un cochon. Drift, je pense, on te tire dessus. Alors merci. Là, on arrive sur ma carte. Du Merco 220 SE cabriolet. Voilà, c'est Mercedes directement qui. Ouf, pas le. Ça ne marche pas. Fixement, ça ne marche pas. Alors, excuse-moi, on est déjà 963, très 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 high-tech. C'est une automatique, je crois. Une automatique. Automatique. Au volant. Elle est quand même très beau. L'arrière est quand même. Un petit peu d'échauffement.
Bravo. Très très bien. Le c'est la Ferrari 250 GT. Voilà. Bien sûr. Alors, cabriolet, bien sûr. Romeo di Bufala, comment on l'appelle? Alors, Romeo di Bufala. Une petite RR. Hein. Une petite Rolls Royce. C'est à partir de là, on commence à avoir le fameux bicolore. On a en haut une teinte argentée et en dessous, en partie basse de la carrosserie, on est sur du noir Rolls Royce. Un noir très carrosserie, en fait. On appelle ça un noir très carrosserie. On reconnaîtrait la matière de la carrosserie à travers la peinture. Ça, c'est, il me semble que c'est une BMW, les anciennes. Alors, je pense pas, c'est plus une voiture sans permis, je pense. Non, je pense pas. Ah, si, si, si BM. Voilà, regarde, t'as vu ? Bien joué. En écoutant BM, ils ont essayé de tout faire, un BM. Une 300 SL, attention, une des premières voitures avec les portes papillons. Attention, on est quand même sur un beau produit, quand même. Alors, on serait sur l'ancêtre de la classe 1. On a le siglage en dessous de la couronne Mercedes et encore un autre siglage de Mercedes en dessous. Et ça, on l'a gardé pendant très 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 longtemps. Donc ici, on est sur des deux chevaux. Une Renault Alpine A110 1600S. Regardez, on est en 71, les gars, et on a quand même l'aspect très sportif. Mais attention, on est très sur le tricoté américain. Quand même sur une Lamborghini. En 1967, on avait déjà 350 chevaux. En manuel. On est quand même sur des produits Lamborghini, les gars, aujourd'hui, qui est une marque qui propose des modèles incroyables. On a quand même un aspect très Corvette, encore américain. Après, aujourd'hui, ça a bien changé. Hein. On démarque très très vite une Mustang d'une Aventador. On se retrouve très très vite au l'étage d'au-dessus, d'accord ? Sur les débuts de la F1, on est sur des lignes aérodynamiques. À ce moment-là, le dynamisme, l'aérodynamisme, c'est le début. Oui, elle est un peu, on dirait une table. Voilà, on n'était pas sur okay. Les produits d'aujourd'hui en 2023. Okay, donc là, on a des petites voitures de rallye. Sur un BM. Sur quelque chose de très énervé. On n'est pas sur une M1. Je sais pas du tout, mais c'est quoi ces lignes de supercar? On serait pas sur une M1? C'est quoi ces lignes de supercar? Si, BMW M1. Il l'avait. Je l'avais, donc c'est la première M. Alors quand on disait BMW, alors on a dit la M1. Ouais, c'est vraiment le gros acheteur. On l'a fait le M. M1. Le M. Oh, on est sur des produits là, on commence à rentrer dans la sportive. Je disais tout à l'heure sur les formes d'aérodynamisme. Oui. Ouais. Là, on commence à rentrer sur des choses un peu plus poussées. Tu fais taf. Il y a des d'office d'aérodynamisme. Partout, il y a des petits rappels d'aérodynamisme. Ah, oui, bien sûr. Mais si vous regardez bien, attention, on est sur du full carbone. On est sur du full carbone. La voiture doit peser peut-être 600 kg. Ça fait moins d'une tonne, tous les rappels aérodynamiques. C'était pas loin. La ligne. Combien? 743 kg. Ouais, totalement. Red Bull. Mes chouchous, les Red Bull. Oh, Red Bull, chouchou. Testarossa. Testarossa et Countach. C'est deux de mes voitures préférées à l'ancienne, tu vois. La Testarossa. Hein. Qui est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette voiture? Ferrari Testarossa, 12 cylindres, bah, 300 km/h, hein. ça passait vite, et c'était en manuel, c'est une boîte manuelle, petit de 4 sorties de peau. T'en as pensé quoi un peu de cette petite collection de voitures? Très sympathique, on est quand même sur des voitures qui sont rares. Sur des véhicules qui sont anciens. On est passé à chez Raoul. Chez Raoul, motosport. Je crois une fois que j'ai filmé un petit peu. Okay. Il y aura le petit moment Raoul. Savoir la plus belle voiture à On est dans un convoi de, je sais pas ce que c'est, mais c'est des mafieux ou quoi, non? On les a doublés, ils nous ont redoublés, ils m'ont regardé comme ça. Genre, tous ces gardes du corps. C'est le gars avec la Rolls Royce. Après être à Monaco, après on fait du kite, après on fait tout. Et donc là du coup on va faire une petite soirée, parce que t'as vu, on voit Baptiste, on voit soirée. Voilà, on va se régaler finalement. On va se régaler.
la petite festin d'amour. Bon, aujourd'hui il est 11h09, comme on peut le constater ici. Et on a quand même. On a vachement bien dormi, Baptiste. Ah oui. Ah oui, on a très très bien dormi. Hein. Road trip là pour aller chercher la. Là quoi la... La, le cadeau d'Yanis. Le cadeau d'Yanis, effectivement, on va chercher le cadeau d'Yanis. Mais clairement, nous on vous laisse. On vous laisse la surprise du cadeau d'Yanis. Donc là, je te regarde sans embrayer. On peut le constater, hein. Regardez. Regardez. On vous apprend comment conduire sans embrayage. Vas-y. Montre-le. Je suis en deuxième. Il est en deuxième, hein. On peut regarder. Il n'y a rien qui touche l'embrayage. Et là, je vais passer la troisième. Ok, à quel moment? Hop. Là, tout de suite. Hop, il passe la troisième. Il n'y a pas de souci. Pas d'embrayage. Pas d'embrayage. Le mec est chaud. Mec a un bac plus 5 en permis, quoi. Bon, allez, salut. Du coup, en fin de vlog, comme t'as pu le voir, on n'a pas récupéré les bonnes choses. Mais c'est pas grave, ça arrive en tout début de semaine prochaine. Du vlog numéro 2, ce sera dans le vlog numéro 2. J'espère que t'auras kiffé. Et puis, on se retrouve dans pile une semaine pour la semaine qui arrive là. Donc voilà, à dans une semaine. Ah, ça bug. Y'a rien dedans. Je sais pas si c'est pas dans la tête. Non, mais toujours dans la vue, tu vois, c'est ton problème. Et l'autre, c'est pour faire quoi? Pour manger du pain. Baptiste? Ouais. Il n'y a aucun respect dans ce que tu fais. Si vous avez vu mon cœur, vous êtes obligé de liker.